Salut à tous, c'est Steph et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la suite de notre aventure sur Sniper Elite 3. On est toujours en mode semi-discretos dans cette mission alors qu'on cherche des coyotes. On est comme ça nous, on cherche les coyotes. On s'en fout des Allemands, on cherche les coyotes. On cherche surtout un moyen d'arriver là-bas sans se faire repérer. Et en essayant de dégommer le maximum d'ennemis en passant. Oh putain, il va me voir, il va me voir. Ils ont la même ronde, ces deux glandus. Il y a moyen de les niquer. Je suis sûr qu'il y a moyen de les niquer. Comme ça, par exemple. Bah, qu'est-ce qui se passe? Il a eu le temps de communiquer ma position à tout le monde, bien entendu, c'est ce qui est logique. Il a eu le temps de faire sonner l'alarme et tout. Tout le monde sait où est-ce que je suis alors qu'il n'y a qu'un seul type qui m'a vu. Faut quand même arrêter les conneries dans les jeux, quoi. Il faudrait vraiment qu'ils fassent des trucs un peu plus logiques, quoi. Au moins dans Watch Dogs, les mecs, tu vois, ils appellent des renforts. Ils pensent savoir où est-ce que tu es, mais ils savent pas. C'est un truc bien, ça. Ton Watch Dogs, c'est pas forcément un jeu d'infiltration. Des munitions... anti-blindé, alors que justement on a un ami blindé là. Bon ben je crois qu'on a presque réussi à entrer dans ce putain de bunker de merde. En tout cas c'est marqué en gros dessus, on peut pas le rater. Non parce qu'il y a quelques petites munitions là. Non, en fait on en a pas besoin. J'aurais bien voulu des munitions de... pour le silencieux. Aïe. Il doit y avoir un moyen d'ouvrir ces portes. Lesquelles? Ah, les portes de... pour que les autres puissent attaquer. Ouais, il se prend pas la tête, quoi. En fait, non. Exécuter les prisonniers. Il y a des prisonniers? Je vais sauver les prisonniers, alors. On va bien rigoler, je crois. J'ai envie de rigoler un petit coup. Est-ce que... y aurait-il l'ombre d'un sniper sur cette tourelle? Même pas. Même pas un soldat. On va attendre que le véhicule blindé revienne et on va rigoler un petit peu. Avec cette belle machine gun qui est magnifiquement bien placée. On va tenter de bien se marrer. Ouais, en fait, non. En fait, c'est de la big merde, cette sulfateuse. En fait, c'est de la big merde, quoi. Même pas avec la sulfateuse dans le cul, le truc, il explose pas, quoi. C'est totalement incompréhensible. Bien sûr, les trucs qui sont totalement à l'autre bout. J'ai deux alliés sur la carte. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Ah, il faut aller en bas. Ah, il faut aller en bas, c'est trop cool. Trop cool. Il y a des gens ici. Il y a des gens ici. Non, je vais vous laisser en fait. Aller jusqu'au bunker.
Il n'y a bien entendu pas de vent à l'intérieur d'un bunker. Ce qui est tout à fait logique. Rien à foutre, moi j'attaque. Dans la jambe. Je sais pas si je l'ai pas tiré dessus et que j'ai fait péter le. Ah non, je l'ai même pas tué ce con. Ah si, il est mort. Il y a un monsieur qui bug là. Ouais, ouais. Ouais, ouais, il... J'ai pas eu le temps de tirer dessus à l'autre. Mais celui-là, il était mort. Hop, malade. Bon. Le personnel est demandé à l'accueil. Le personnel. On va passer par là alors. Finalement, c'est d'autant plus simple. C'est même presque un raccourci. Bon, par contre, on va continuer avec le fusil, je crois, non? Bon, on se fait ça quand même à la discrète. On va quand même essayer de faire ça à la discrète. On n'est pas non plus des cochons. Attends, si je fais ça. Bon, ouais, ils y vont comme ça, eux. Moi aussi, j'y vais comme ça. Double frappe. Ce qui est chiant, c'est parce que je suis à côté d'un... Il se colle en fait aux caisses. Alors quand il sort de sa couverture, c'est chiant, il se décale toujours un peu. Eh ben. Bah, quand même. Il a mis un sacré bout de temps à tirer. Hein. On va se mettre sur le côté et on va se mettre à s'appliquer un petit bandage sur la plaie. Voilà. Parce que là, on lui a mis comme il faut, là. Est-ce que là... T'as la balle qui traverse tout le corps. Au testicule. C'est ça qui est bon. Ah. Je l'avais pas eu. Il y a plein d'ennemis, ils savent pas où est-ce qu'on est. Ils sont au-dessus de nous. J'ai été remboursé de mon bandage, c'est bien. C'est quoi ça? Ah, des munitions perforantes, trop cool. On va se mettre comme ça, tiens. Comment tu sais que j'étais là? Comment il savait que j'étais là, lui? La main, la main! Autant se dire, c'est quoi ce bordel? Salut les enfants! Ça va? Attends, je prends des munitions. Qui a tiré? Je prends des munitions et c'est bon.
pensais bien que c'était la fin. Bah non. Il ne peut pas s'échapper. La preuve que si. C'est bon? Et après, qu'est-ce qu'il faut faire? Trouver la carte pour accéder à l'usine des ratés. Après, vous pouvez sortir hein, si... Oh le bâtard, je l'ai pas vu. Ah! Putain, j'ai pas pu me décaler sur le côté. Comment ça, je reviens là? D'accord. J'ai été téléporté ici. Alors, est-ce qu'il faut passer par en haut ou par en bas, du coup? Du coup, je ne sais pas. Je dirais que c'est en bas, quand même. Du coup, est-ce qu'il y a les ennemis ici ou non? J'espère pas, ça serait con. Sinon, je prends direct le fusil. Si. C'est totalement honteux, ça. Et les ennemis sont considérés... Enfin, les alliés, là, sont considérés comme libérés, alors. Oh, putain, 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 putain. Tu veux pas bouger. T'es sûr que tu veux pas bouger. C'est pas du tout réaliste, hein. La grenade a rebondi normalement. Hein. Les intestins, j'aurais dit les testibules, mais non. J'ai tiré dans le chargeur de l'arme. Oula. Aïe. Faut que je les relibère les autres ou pas? Ah ouais. On va repasser par là alors. En fait, elle était juste là, quoi. Comment il a pu cacher une si grande cache, une si grande map dans son slip? C'est incroyable. Atteignez le repère de Snipe. D'accord. Bien entendu, celui qui est à l'opposé, quoi. Putain, ils sont pas épais vos bunkers. Hein. C'est d'ici je prends l'impact d'une grenade. C'est qu'ils sont vraiment pas épais les bunkers. Hein. Hop là. Et j'ai plus qu'un seul ennemi dans cette putain de base. Il faut croire que oui.
Wow! D'accord. Là, bien sûr, je dois tout recommencer, non? Non, là, c'est quand même de l'abus, là. C'est quand même de l'abus, là. On est en train de recommencer trois fois la chose qu'on a fait déjà. Le type, je sais pas d'où il est sorti, en plus, hein, le dernier. C'est pas grave, on va le faire dans le même sens, comme un bourrin. C'était un bug ça ou non? J'ai l'impression d'avoir envoyé une roquette dans le gars quoi. Ah j'ai dû tirer sur sa grenade. Je crois que j'ai dû tirer sur sa grenade. J'avais l'impression d'avoir balancé une roquette sur le mec quoi. Ah je crois que c'est parce que je suis en plein hein. Parce que j'y vais comme un fou là. Je crois que c'est... il est où le mec devant moi là-bas? Ah putain, le fils de pute! Ah j'y crois pas, mais putain c'est pas vrai ça. Putain mais c'est pas croyable ça. Putain mais on n'y arrivera jamais quoi. Putain ça fait chier quoi. Putain ça fait 4 fois que je recommence, ça me casse les couilles. Le problème c'est que voilà, quand on recommence, au bout d'un moment, là, on commence à... ça commence à nous énerver, du coup on le fait moins bien que normal. Du coup on fait du caca. Quand je fais du caca, c'est jamais bon. Parce que c'est du caca. Attends, là, il y a un mec qui va venir sur le côté là-bas. Deux même. Ouais, j'ai été repéré. Un millième de seconde, le mec. Il a eu le temps d'envoyer ma photo à tous ses potes. D'accord. Voilà. Voilà comment on se fait niquer. Ouais, on sait que lancer de la main droite. J'ai fait quand même un double frag. Je suis en train de me dire, attends, le mec il fait exprès, il veut pas tirer ou quoi? Ouah! Et voilà, c'est pareil, et il a fait pareil, il a pas voulu tirer. Putain, mais ça me casse les couilles! Bon, je crois qu'on va s'arrêter ici sur cet épisode. Ouais. Mais je vais continuer, putain, ça me fait chier de. Ça me fait chier de recommencer 15 fois. Je pense que je vous aurais déjà coupé tout ça au montage. Ouais, je pense que je vais tout couper tout ça au montage pour en laisser que le meilleur parce que là, oh là 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 là, c'est horrible. On va y aller re comme un bourrin parce que... commence à me casser les couilles ces bâtards de merde là. À me voir alors qu'ils devraient pas me voir. Eh ben, putain, pourquoi le mec il tire 2 ans après là? Le type quand il se fait tirer dessus, il peut pas tirer quoi. Putain, là c'est du millimètre là. Là c'est du millimètre là. Ouais, double blessé quoi. Dans ta gueule! Vengeance! Vengeance! Aïe. Je l'ai tué. Moi, putain.
Il est là, c'est cool. Montre-toi. Passer par là. On va faire le discret. Alors, une pause de petites secondes. Bon, on se retrouve. D'accord, le mec il s'est pris une balle dans le dos, il a pas compris. Une balle dans le cul même. Et là, on peut y aller, on va la réussir. En tout cas, si on l'a réussi, je vous dis, j'ai essayé 4 ou 5 fois avant. Hein. Je pense que j'aurais coupé. J'aurais juste rentré la première fois où j'aurais raté. Donc là, il faut aller chercher la carte. Hein. Merde, c'est vrai, j'avais oublié celle-là. Ouais, mais ça devrait gérer, il n'y a plus que ce tocard là. Tous les autres sont déjà morts. Aïe 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 aïe. Bon. On va passer par là. Et on va faire le grand tour. Bah, là-bas, il doit y avoir des trucs intéressants. Ah non, il est là-haut. Il y a des papiers à lire. Les petits dortoirs, les dortoirs des enfants. Je me suis pas fait choper quand même. Soyez pas honteux comme ça. Non, c'est bon. On est à combien? 80 mètres. Théoriquement, ça donne... Ok. Ça, c'est pas de bol. Dans le genre pas de bol, on était pas mal. Le jeu se fout de ma gueule. Quoi? Je l'avais pas vu celui-là. Ça sent la grosse connerie que je suis en train de faire, mais... Je la fais quand même, je n'en ai rien à foutre. Oui. Oui. De nuit, le type, il te voit à travers les trucs de camouflage. Pour te dire que c'est pratique, quoi.
C'est juste pour te dire que c'est pratique en fait. Ah ouais, mais direct, ils savent déjà où est-ce que je suis. J'allais dire, il se fout de ma gueule, le mec. Il peut pas tirer dessus alors qu'il est devant lui. Putain, le type, il m'aurait tiré dessus avec le Panzerfaust de si courte distance, là, j'aurais dit non. Ah, j'y suis mort. Et je recommence tout? C'est cruel, là. Non. Comment ça se fait que je recommence pas tout? Je l'ai fait 15 fois cette scène et à chaque fois j'ai dû tout recommencer. Pas 15 fois, hein, je l'ai pas fait 15 fois mais... On va courir, on en a rien à foutre. On va même faire toute la fin de la mission comme un gros bourrin. Au fusil. Ou à la mitraillette. Putain, il est doué quand même le mec hein. Il est capable de tirer avec un snipe avec une précision incroyable, mais le mec a... À courte portée à la mitraillette, c'est un gros naze. Il s'est pas aligné deux balles, quoi. Voilà comment je le fais discret, moi. Qui m'a vu. Oh, ça a pas marché, ça aurait été rigolo. Je vais détruire les radios pour les empêcher d'appeler à l'aide. Ah, il avait attrapé un rhume. C'était ballot. Ouh, je crois qu'on va rester ici et qu'on va attendre un petit peu. Parce qu'on a des copains qui sont là à côté. D'accord. Ils font des bunkers solides, les Allemands, hein. C'est incroyable. Hein. Ils résistent même pas à leurs propres grenades. Si on fait ça, ça va pas marcher, je suppose. Ça. Ça marche même pas. Putain, les bâtards, mais c'est... En fait, c'est plus chiant qu'autre chose. Surtout, c'est chiant, en fait. C'est chiant parce que les mecs, ils te shootent, mais une facilité, c'est incroyable. En même temps, on est en mode difficile, mais bon... On peut pas s'attendre non plus à autre chose, mais bon... C'est quand même abusé entre les mecs qui te voient à travers les murs. Mecs qui te voient de nuit à travers les trucs de camouflage. C'est quand même un peu, hein. On est quand même loin du réaliste, hein. Comment ils peuvent m'avoir vu? Je peux savoir comment ils peuvent m'avoir vu? D'accord, en fait il y a 15 000 mecs dans le désert, quoi. Ils sont tous partis pisser en même temps.
Ils sont tous partis pisser en même temps, ces enculés. Du coup, si de ce côté-là, ça passe pas, on va passer par l'autre côté. Et on va les sniper de loin, comme ça au moins, ça sera pas emmerdé. Même s'ils sont tellement forts qu'ils pourront nous... quasiment nous avoir aussi bien que nous. Nous, on va galérer avec le snipe. Il court comme un robot, un peu, quand même. Hein. Faire se calmer un peu, tu vois, il est en plein bug lui. Bon, alors il danse. Il invente une nouvelle danse. Ouais, je crois plutôt qu'il invente une nouvelle danse, ça doit être ça. Ça me paraît un peu plus plausible. Ouais. Oh putain. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis en train de me dire, le mec... se mettre à plat ventre. On va essayer de la jouer discret. Ah, il a vu son pote. Que chenou, il a vu son pote. Tu l'as vu le caillou? Tu l'as vu le caillou? Tiens, va chercher celui-là. D'accord. Le mec à travers l'escalier, tout ça. Il n'y a pas à dire, ils étaient forts. Mais c'était pas lui qui faisait du... Ah si. Ben non. Non, c'est pas lui qui dansait là, qui est en train d'inventer sa nouvelle danse. On va se mettre de là-haut. Et de là-haut, on va tout sniper. On va se permettre de mettre des mines. Voilà. Ça devrait plutôt bien marcher. Et je pense qu'on va utiliser le Panzerfaust pour aller péter ce bordel de merde. Hein. Voilà. On va le garder dans notre dos. Et on va aller spotter du méchant. Il y avait 15 gars là qui étaient là. Là ils y sont plus. Bon, alors. Panzer Shrek. Mais c'est qui Shrek? Comme ça, on va lui faire comme ça le bâtard. On va attendre qu'il s'approche hein, au plus près. Ah, je sais pas si on va pas même lui faire une petite diversion dans le secteur.
Comme ça, par exemple, une belle petite diversion. Voilà. Là, il est magnifiquement bien placé. Quoique, un petit peu trop près, peut-être. Tu te fous de ma gueule. Ça y est, il est mort, hein, j'espère. Ouais, c'est bon. Quand même. Qui c'est qui m'a tiré dessus? D'accord. Le type, il te tire pas dessus, mais il te touche quand même. Ah, bon, on revient ici, c'est cool. À moins qu'on fasse... Ouais, mais non, mais même pas, ça a pas marché. Ils sont tellement malins, c'est trop du cul. Comment ça, je tire pas dessus? D'accord. Ma balle, alors je l'ai tiré sur le rebord, là. Oh, le bâtard! Je me disais bien que j'avais vu un petit reflet, là-bas. J'en ai même vu deux, donc... Normalement, j'ai toujours mon piège. Par contre, à cause de mon piège, ils sont pas censés savoir où est-ce que je suis. Hein. D'accord. D'accord. Et mon piège, il était plus ? Tu peux pas me dire qu'il est passé à côté, quoi. Si, en fait, il est passé à côté. C'est totalement un problème. C'est totalement improbable, je suis désolé. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des mines S par ici, là. Voilà, le mec, il enfonce ça dans le... Très logiquement, dans le... Et là, très logiquement, on va balancer ça ici, voilà. Et on va faire une mine comme ça. Là, au moins, je suis sûr que là, il peut pas la rater, celle-là. Celle-là, il peut pas la rater. Quand il passe, c'est obligé, ça lui pète à la gueule. C'est ça, en fait. Il y a un putain de bâtard de sniper à tenir dans s'emmerder ces gens. Il y en a deux. Me disais bien que j'avais vu deux lumières tout à l'heure. Comment ça, il m'a pas vu? D'accord, le type il sait exactement. Je me suis déplacé. D'un mètre. Ils savent pas d'où ça vient, d'où ça vient. Oh les cons. Double frag en une balle. C'est impossible qu'ils se le prennent pas, voilà. Yeah.
Qui c'est qui me tire dessus? Totalement illégal de me tuer. J'ai cru qu'il s'était tué avec sa grenade, c'est con. Dans moi, les grenades, ça me fait mal de loin, hein. Oui, ils ont vraiment besoin que ça les touche pour que ça les tue. Hein. D'accord, le mec il prend deux balles de ça et il crève pas. Il est allé relancer une grenade. Moi ça me fait mal quoi. Un truc incompréhensible parce que bon. Le mec en plus ça lui tombe à côté de lui. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Bon. Eh ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là. Et on continuera ben, une prochaine fois, parce que là, j'en ai plein le cul. Voilà, ben, on s'arrête ici. Alors, je vous remercie de m'avoir regardé. Mettez-moi un like si la vidéo vous a quand même plu, malgré que c'était un échec total. Donc, merci quand même à vous, si vous m'avez supporté. Ben, je vous dis à la prochaine pour la suite de cette aventure. La suite et la fin, je pense, de cette aventure sur... vous êtes presque fin, il y a peut-être un niveau après. C'est presque fin, donc, sur Sniper Elite 3. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur un autre jeu. Allez, ciao !